Salut tout le monde, c'est Lady, on se retrouve pour le deuxième opus de ce top 10 What the fuck et je suis en compagnie de Yoda. Coucou tout le monde. Donc on vous retrouve avec plaisir, c'est vrai qu'on a un petit peu délaissé le mode zombie depuis la sortie de Destiny. On vous présente nos excuses pour ça, mais en même temps je pense que vous pouvez nous comprendre, Destiny étant un jeu magnifique. Donc on a prévu un top 10 esquive qui va sortir pour la fin du mois d'octobre et en attendant, pour vous faire patienter et pour s'excuser également, on vous sort ce petit top 10 What the fuck avec pas mal de clips plutôt sympas. Et ouais les gars, et au passage, je vous rappelle qu'on a débranché nos PS3 et que désormais, on prendra uniquement les clips envoyés via YouTube. Donc on va pouvoir commencer avec, à la 10ème position, un clip de Maxime06Démon. Alors on s'excuse pour la qualité, c'est vrai qu'elle est pas terrible Maxime, tu pourrais te faire un effort quand même. Et donc on est sur la map Buried. Et donc il y a eu un bug assez surprenant, une sorcière qui a été enterrée vivante. Donc vous pouvez voir que Maxime il a complètement calé sur cette sorcière, on la voit en train de se faire des petits trips là dans le sous-sol. Alors heureusement encore qu'ils peuvent la tuer pour passer à la manche suivante. What the fuck. Et à la deuxième position on se retrouve avec BTZ Proxy, donc il est dans Diaries. Je pense qu'ils étaient dans un espèce de glitch en fait. Et il y a un zombie qui vole, alors il essaie de nager dans le vide, on sait pas trop ce qu'il fait, il fait du crawl, c'est l'Ormanodou. Et voilà, il est mort tout seul. Ah, ils étaient dans l'ascenseur, ils étaient pas dans la bug, et ils sont tombés, et le zombie, il avait la grosse après le mur. On sait pas pourquoi. Gros moment de solitude. À la 8ème position, on retrouve El Frigo. Donc il est sur la map ville, et il y a un zombie qui a décidé de descendre en rappel, de se taper un petit délire au-dessus de la map. Donc bon, bah, c'est plus rapide, il est descendu par là, par le fil électrique tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un petit glitch qu'on voit pas souvent, un petit bug, pardon. Il est plutôt sympa, ma foi. Donc on remercie El Frigo pour ce clip sur la map ville. Je pense que c'est la réincarnation de Moïse en zombie. Hein. Et donc à la 7ème position, on se retrouve avec Chronique 7. Donc voilà, il faisait des doubles triangles, je sais pas trop ce qu'il faisait. Il y a un zombie qui arrive derrière. Wow. What? What the fuck? C'est un zombie magicien les gars, il a disparu, putain, what the fuck encore. On notera que Runix faisait le kikou devant l'ascenseur. Et donc à la 6ème position, on retrouve Tornov59, un habitué de notre chaîne, ils sont sur la map Buried, donc ils sont à 3, en train de faire probablement quelques manches tranquillement au spawn. Et eh bien, il va se passer quelque chose de particulier, c'est cette arrivée de sorcières massives sur Tornov. Donc là, il s'est fait un petit peu dépasser par les événements, le pauvre il a rien compris. Et donc on va voir qu'il va essayer de mettre une bombe, alors je ne sais pas si c'est lui ou un autre joueur, le dernier en vie, en l'occurrence. Et donc il va essayer de mettre une bombe pour s'en sortir, mais bon c'est pas possible, il s'est fait vraiment littéralement troller par cette vague de sorcières en furie. Donc je sais que c'est un bug qui a déjà existé sur Buried, et ça reste toujours assez impressionnant. Et on se retrouve désormais avec Walid HD qui était dans Mob of the Dead sur le pont. Un gros what the fuck. Alors vous voyez que là il a plus de mastodonte, il est un petit peu en galère, il y a son collègue, c'est le joueur blanc. Hop, il meurt et en fait il monte en même temps sur la chaise. Il a dû appuyer sur carré en même temps. C'était pour recharger son arme il me semble, hein. Il a appuyé sur carré. Ça l'a fait monter sur la chaise. Et là, bon, au lieu de se téléporter sur la prison, il tombe à l'infini. Voilà, c'est un gros what the fuck, il tombe à l'infini. On voit un peu le ciel, on va apercevoir un petit peu d'eau comme ici, voilà. Et voilà, il tombe à l'infini, c'est pas... De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas aller bien quelque part, quoi. Et du coup, il continue, et il a pas le choix. Et voilà, son collègue, pendant ce temps-là, lui, il va terminer la manche, tranquillement, donc sur le pont. Et vous voyez qu'à la fin de la manche, donc Walid réapparaît, donc il n'entrait pas, et son corps n'est pas là, donc il peut pas se réanimer. En gros, il est condamné à finir la partie en trépas. Autrement dit, la partie, je pense qu'elle était niquée, quoi. Un très gros what the fuck, franchement, j'avais jamais vu ça. Et on continue avec, à la 4ème position, un clip de Ezergus. Il est sur la map Newton, ils sont un petit peu en galère, ça commence à devenir un peu chaud. Donc il a acheté un singe pour pouvoir s'en sortir, réanimer tranquillement son collègue. Et comme ça arrive régulièrement sur Newton, le singe ne marche pas. Donc là, il panique, c'est la panique à fond. Il se retrouve bloqué dans le coin. Et le what the fuck, il est là les amis, c'est qu'aucun zombie ne va le toucher. Donc je pense que le singe, il fait un petit peu effet malgré tout. Alors il le précise, c'est pas un hacker, moi j'ai déjà vu un bug comme ça, c'est vrai que c'est déjà arrivé, donc il va réussir à s'en sortir un petit peu, à se dégager, à se frayer un chemin, à jouer des coudes, et là voilà, il aura réussi à s'en tirer, donc heureusement que le singe a marché finalement quelque part, un bug assez sympa.
Et là, à la troisième position, on se retrouve avec Zombix Legit. Donc, c'est pas vraiment un bug, hein, c'est plus putain, il s'est fait défoncer quoi. Il a fait un petit saut, le pauvre, mais il s'est fait défoncer. Franchement, il s'est fait retourner. Il n'y avait pas beaucoup de zombies, il a pris les 5 claques d'un coup quoi. Oh la vache, ah, t'as pris cher. Il a vraiment pas eu de chance. Il fait un saut, il se prend les 5 claques, bim, t'es mort. On le voit sauter, bam. Et franchement, il n'y a que deux zombies derrière lui quoi. Il a pris les 5 claques. Gros what the fuck. Ah, j'aurais réagi, je pense. Ouais, moi aussi, c'est sûr. À la deuxième position, on se retrouve avec The Burk 2004. Alors, lui, il est arrivé un truc, mais vraiment sale, les amis. Donc, il est sur ville, mange 46 en solo. Déjà, c'est pas mal. Et là, il va avoir le bug de la manette qui a plus de batterie. Alors, il coupe, il essaie de faire pause pour changer, pour remettre sa manette en charge. Mais bon, il va mourir quand même. Donc, il va devoir utiliser sa réa. Et quand il va se réanimer, vous allez voir qu'en fait, il va pas pouvoir se relever. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment le truc de merde. Voilà, il est bloqué. Il ne peut pas se relever. Donc, il est condamné à mourir, mange 46, à cause d'un bug. Alors, ça, vraiment, mais vraiment, ça m'aurait mis les nerfs. Mais vous imaginez pas, je pense que j'aurais rage quitte. J'aurais rage quitte Black Ops, mais jusqu'à la fin de ma En vie. plus, le mec, il voulait jouer en perso pour pas avoir de déco, il se tape ça. Et à la première position, on se retrouve avec Miss Evan dans Origins, donc à la manche 8. On connaît tous la manche 8 dans Origins, c'est un peu la folie. Il y a le Panzer qui arrive, il essaie de nous choper. Il court partout, il y a les zombies qui spawnent là, et en plus, ils sont à 4. Donc les joueurs, ils courent. Les joueurs, pardon, les zombies, ils courent un peu partout sur la map, c'est un petit peu la folie. Donc là, elle court. Ils essaient de paquer un peu les zombies comme ils peuvent. On sait tous que dans Origins, ouais, sans les bâtons, c'est un petit peu la folie. Et là voilà, elle tire, elle continue à courir, et là en fait elle s'est aperçue que le Panzer n'était plus derrière elle. Voilà, le Panzer il a arrêté de courir. Donc voilà, donc elle va décider de faire un petit tour pour essayer de voir bah, où il en est, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, où il est passé ce putain de Panzer, merde. Et là on voit que le Panzer est à l'arrêt, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà, vous allez voir, voilà ce qui lui arrive. En vrai, bah voilà, le Panzer il a chopé un de ses cousins, le zombie. Il a chopé un zinc. Je sais pas pourquoi il a pas chopé, il a chopé un zombie. Gros what the fuck, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Autant des bugs avec des Panzers, on en a reçu beaucoup. Mais voilà, le Panzer qui chope le zombie, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Celui-là, il était vraiment sympa. Je pense qu'il mérite largement sa première place. En tout cas, bien joué à tous ceux qui nous ont envoyé leurs clips pour ce top 10 What the fuck. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en dessous la vidéo ou sur notre compte Zombie Factory sur Twitter directement. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous tout le monde. Ciao, ciao!